And now I give the floor to the distinguished representative of Burkina Faso to introduce an address by the head of state. Madame la vice-présidente, j'ai l'honneur d'introduire la déclaration pré-enregistrée de son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kabore, président du Burkina Faso, à l'occasion de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, votre brillante élection à la présidence de la 75e session de l'Assemblée générale m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes vives félicitations ainsi que celles de ma délégation. Monsieur le Président sortant, cher professeur Tidjani Mohamed Bandé, lorsque vous accédiez à la présidence de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies au titre de l'Afrique, nous étions bien loin de nous imaginer que notre organisation et au-delà d'elle, le monde entier connaîtrait une crise sanitaire aussi profonde que celle de la COVID-19. Face à cette situation imprévisible, vous avez su, avec votre équipe, vous adapter aux nouvelles exigences et relever les défis qui étaient les vôtres pour assurer la continuité des activités et le fonctionnement de l'Assemblée générale. Monsieur le Secrétaire général, le 22 janvier dernier, vous avez présenté devant l'Assemblée générale vos priorités 2020 en identifiant ce que vous avez appelé les quatre cavaliers de l'Apocalypse, que sont les tensions géostratégiques mondiales, la crise climatique existentielle, la méfiance croissante des peuples partout dans le monde et le côté obscur du monde numérique. Malheureusement, moins de 2 mois après un cinquième cavalier de l'Apocalypse, très destructeur, la maladie à coronavirus est apparue et s'est ajoutée aux 4 déjà identifiés. Depuis lors, vous vous êtes pleinement investi pour que l'ONU se mobilise pour faire face à la pandémie et à ses conséquences multidimensionnelles. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, le 14 juin 2019, l'Assemblée générale des Nations Unies a, par la résolution 73-299, décidé de célébrer le 75e anniversaire de notre organisation commune sous le thème « L'avenir que nous voulons, l'ONU qu'il nous faut, réaffirmons notre attachement collectif au multilatéralisme ». Mais avec la crise mondiale déclenchée par la pandémie de la COVID-19, le président de l'Assemblée générale a complété le thème général de la célébration avec la mention « Affronter la COVID-19 grâce à une action multilatérale efficace ». Ce thème, qui sous-tend toutes les activités, réunions et conférences organisées par l'ONU en 2020, vient nous rappeler les raisons fondamentales de la création de notre organisation. Pour la commémoration de cet anniversaire, nous aurions tous aimé être présents physiquement au siège à New York pour célébrer ensemble les valeurs prônées et défendues par les Nations Unies depuis sa création en 1945. Malheureusement, la pandémie en a décidé autrement, rappelant la fragilité du monde et notre interdépendance. Dès le 9 mars 2020, le Burkina Faso enregistrait ses premiers cas de COVID-19. Le gouvernement a dû adapter ses actions aux réalités du moment, en prenant les mesures de quarantaine et de confinement des villes et des restrictions diverses. La pandémie de la COVID-19 est une crise multidimensionnelle qui risque d'anéantir tous les efforts en matière de développement dans de nombreux pays, surtout ceux touchés par les conflits. C'est pourquoi le Burkina Faso remercie le secrétaire général de l'ONU pour son appel mondial à la solidarité lancé le 31 mars 2020. Cet appel a permis la mise en place d'un cadre mondial visant à favoriser une réponse intégrée et souple pour tirer le meilleur parti de l'empreinte mondiale du système onusien. Je saisis l'occasion pour saluer les mesures d'allègement de la dette en faveur des pays en développement, mais surtout pour lancer un appel pour son annulation pure et simple.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, il y a de cela quelques mois, la question de la criminalité organisée était essentiellement analysée sous le prisme de la lutte antiterroriste. Aujourd'hui, avec l'émergence de la pandémie de la maladie à coronavirus, il nous faut dorénavant tenir compte du triptyque criminalité organisée, terrorisme, COVID-19. Dans cette guerre contre le terrorisme dans la région du Sahel, je voudrais saluer le soutien et l'accompagnement de la communauté internationale, preuve s'il en était encore besoin que la lutte contre le terrorisme est une question de sécurité internationale. Sur le volet purement militaire, on peut souligner des avancées notables dans l'action de la force conjointe du G5 Sahel et des troupes amies. Aussi, nous ne saurons passer sous silence l'implication fort appréciable du secrétaire général du Conseil de sécurité et de l'Union européenne dans la révision en février 2020 de l'accord technique entre l'Union européenne et les Nations unies et le G5 Sahel, qui permet désormais d'étendre l'appui de la MINUSMA à la force conjointe du G5 Sahel au-delà des frontières du Mali. Cependant, il faut regretter que la dite force n'ait toujours pas atteint le niveau opérationnel souhaité. Aussi voudrais-je réitérer notre appel au Conseil de sécurité pour que cette force soit placée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et bénéficie d'un financement pérenne. Je lance aussi un vibrant appel à tous les partenaires à soutenir activement la coalition internationale pour le Sahel créée en janvier 2020 à Pau, en France. Monsieur le Président, distingués délégués, dans notre lutte contre le terrorisme, des organisations accusaient nos forces de défense et de sécurité d'exactions et de violations des droits humains. Je voudrais ici réaffirmer que nos forces de défense et de sécurité exécutent leur mission dans le respect des droits de l'homme, notamment le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique des personnes, tel que garanti par les instruments juridiques auxquels le Burkina Faso est parti. Toutes les fois où les membres des forces de défense et de sécurité ont été mis en cause par des accusations, des enquêtes ont été ouvertes afin de situer les responsabilités et de sanctionner les auteurs. Je tiens à rassurer les partenaires du Burkina Faso et de la communauté internationale qu'en dépit de la modestie de nos moyens, les forces de défense et de sécurité luttent contre le terrorisme avec professionnalisme dans le strict respect des règles d'engagement qui régissent leur action. En tout état de cause, le Burkina Faso ne ménagera aucun effort pour relever les défis de la lutte contre le terrorisme pour garantir la protection de ses populations et des réfugiés et continuera à œuvrer pour ramener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national dans le respect des règles du droit international. Dans ce sens, le 1er juillet dernier, mon gouvernement a marqué son accord pour l'ouverture d'un bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Burkina Faso. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, au Burkina Faso, les électeurs iront aux urnes le 22 novembre 2020 pour les élections couplées présidentielles et législatives. Toute la classe politique, majorité comme opposition, a décidé de manière consensuelle d'aller aux élections en dépit de l'insécurité qui prévaut dans certaines régions du pays. Je réaffirme l'engagement de mon gouvernement à organiser des élections transparentes, inclusives et apaisées. À cet effet, dès juillet 2019, j'ai institué un cadre de dialogue permanent avec l'ensemble des composantes de la classe politique burkinabé pour lever les obstacles qui viendraient à se poser tout au long du processus. Monsieur le Président, distingué délégué, au Burkina Faso, nous avons pris conscience très tôt de la nécessité de préserver l'environnement. Dans toutes nos politiques, les dispositions sont prises pour inverser la tendance de la dégradation de l'environnement et assurer durablement la gestion des ressources naturelles. Les tragiques inondations de ces dernières semaines dans notre pays et dans plusieurs pays du continent viennent nous rappeler la nécessité d'avoir un engagement plus fort en faveur de l'approche multilatérale
incarnée par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, le Burkina Faso, pays contributeur de troupes qui accompagne les Nations Unies dans la recherche de la paix, a malgré sa propre situation intérieure, déployé 1130 hommes, dont un bataillon et deux unités de police constituées, et 69 postes individuels. Je saisis l'occasion pour réaffirmer la disponibilité du Burkina Faso à toujours s'engager aux côtés des Nations Unies pour la recherche de la paix partout dans le monde, par le déploiement de son personnel en uniforme et ses experts judiciaires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, le monde dans lequel nous vivons fait peur, car la paix et la sécurité internationale sont menacées au vu des tensions géostratégiques mondiales. Aujourd'hui encore, les questions africaines sont les plus nombreuses à l'agenda du Conseil de sécurité. La crise sécuritaire qui persiste dans la région du Sahel et dans le bassin du lac Tchad est une véritable préoccupation à laquelle il faut trouver des réponses, sachant que la situation créée en Libye en est une des causes. C'est donc dire que le règlement de la crise politique en Libye est un des gages du retour de la paix dans ces régions. Aussi, invitons-nous le Conseil de sécurité à nommer le nouvel envoyé spécial conjoint ONU-Union africaine pour conduire les négociations. Au Mali, nous appelons un règlement de la crise politique et un retour rapide à l'ordre constitutionnel et soutenons les décisions de la CEDEAO pour une transition civile. Sur le dossier du Sahara occidental, les avancées notables qui ont été enregistrées suite à la tenue des deux tables rondes de Genève entre l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et le Polisario méritent d'être consolidées. Et pour ce faire, le Burkina Faso souhaite la nomination du nouvel envoyé spécial pour poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. Sur la situation au Moyen-Orient et singulièrement sur le conflit israélo-palestinien, il y a véritablement lieu de relancer les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit. Au sujet du blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba depuis 1962, le Burkina Faso réitère son appel pour sa levée. Le Burkina Faso félicite Cuba pour avoir su endiguer la pandémie et par solidarité internationale a envoyé des centaines de médecins et personnels soignants dans plus de 35 pays à travers le monde en réponse à des demandes d'aide immédiates. Monsieur le Président, distingués délégués, 75 ans après sa création et après plus de 20 ans de négociations intergouvernementales, la réforme des Nations Unies se fait encore et toujours attendre. Pourtant, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'elle doit permettre de réparer l'injustice faite à l'Afrique et que la revendication africaine est une aspiration légitime. Je réitère donc le soutien de mon pays à la position commune africaine, telle que reflétée dans le consensus des Ulwini et la déclaration de Sirte, au terme desquelles l'Afrique doit être pleinement représentée dans tous les organes de décision de l'ONU, en particulier au Conseil de sécurité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, en adoptant le 21 septembre dernier la déclaration finale de commémoration du 75e anniversaire de notre organisation, nous avons reconnu que notre organisation n'a pas atteint le niveau que ses pères fondateurs avaient souhaité, car la pauvreté, la faim, le terrorisme, l'extrémisme ou encore l'insécurité, entre autres, sont toujours d'actualité. Face à ce constat, nous nous sommes engagés devant l'histoire à ne laisser personne de côté, à promouvoir la paix et la coopération digitale et à prendre en compte les jeunes, les femmes et les filles dans toutes nos politiques de développement. Nous reconnaissons l'interdépendance des différents défis auxquels fait face l'ONU, lesquels ne peuvent être résolus que par le renforcement du multilatéralisme. C'est pourquoi je fonde l'espoir que le rapport du secrétaire général qui nous sera proposé avant la clôture de la 75e session nous permettra de regarder l'avenir avec plus d'optimisme. Une fois de plus, nous réaffirmons notre attachement collectif au multilatéralisme. L'ONU doit rester notre boussole commune. Vive les Nations Unies,
Vive la coopération internationale. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of FASO, President of the Council of Ministers of Burkina Faso, for the statement just made.